pile moun tap tann retour ancien sénateur élu Guy Philippe. Que le c'est haïtien en Haïti, que le c'est haïtien dans diaspora, tout moun te mobilisé pour tann Guy Philippe sous sol là. Parce que tap tann nouvelle là pour yo tande ancien sénateur retourner la kayli, retourner dans pays. Mais malheureusement pour Guy Philippe, Jean Satége t'a planifié, Jean Satége t'a programmé, et bien rivé le rivé sous sol haïtien, hein, DCPJ Bakel, yo allé avec lui. Mais faut que moi dis nous, problème yo commencé pour Guy Philippe, c'est pas hier, jeudi 30 novembre. Problème yo commencé pour Guy Philippe, c'est depuis 15 décembre 2022, après une déclaration qui a été faite, qui a pral secouer la République. Eh bien, nous pral gagner dans l'émission aujourd'hui, puisque nous sommes acteurs politiques, moun nan société civile, moun ki nan opposition, qui en face Guy Philippe, qui parle Guy Philippe retourner sous scène politique là. Yo tout yo lage de guidon derrière Guy Philippe, yo tout yap exige que la justice mette code lan red nan kou Guy Philippe, yon façon pour le pas retourner sous scène nan politique lan. Nous genyen 3 gros événements qui passé, nous pral partager yo avec vous, ou pral genyen détail sous sa passé exactement hier avec Guy Philippe nan DCPJ. Yon l'autre bon fok nous di ou que dossier canal là nan moment là conflit qui oppose Haïti à République Dominicaine nan et bien genyen évolution la dol. Si pa bon la kay pa nous, nous pas décidé bay vague, nous pas décidé camper, et bien hier audition qui te genyen nan chambre député dominicain côté ministre affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez qui était présenté pour parler de conflit qui opposait deux pays, eh bien, gen bagay qui parlait, gen des décisions qui continuent à prendre ou supposé qu'on est. Nous allons partager tout détail si là yo avec vous. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? C'est toujours un grand plaisir pour moi avec vous, pour me porter une émission pour là pour vous, mon éditorial avec Yannick. Donc, si vous faites tomber sur ce channel là, m'invite à abonner, activer la cloche de notification, et comme ça, ou pas prater aucune vidéo n'a gagné pour nous poster. Jeudi, c'est vendredi 1er décembre 2023. Dernière ligne droite là. Dernière ligne droite pour aller à fini, pour nous voyer à ne madichon, à ne problème, à ne tête chargée, ça, pour nous voyer aller. Déjà, nous souhaitons passer un très bon mois de décembre avec même énergie positive, là, même fougue, même engouement, même détermination. Il était seulement 36 jours en nouvelle côté dans mes pieds pour nous finir l'année en beauté. Mais faut que moi dis nous tout. Jodi an, et gen yon bay ki spécial mwen pral mande nou, parce que m konnen nou se moun ki remèm, nou se moun ki tolérèm, nou se moun ki toujou la pou supportèm, pou encadrèm, pou konseyèm. Et bien, lè gen fèt, nou fete ansanm, mais lè gen yon dlo nanje, lè gen tristesse, lè gen situation difisil, m konnen wap la pou épaulèm, wap la pou remonte moral mwen, wap la pou encourajèm. Et bien, nous gagnons yon famille émission, nous gagnons yon maman émission, yon soeur émission, yon marine émission, yon bon soldat émission, et Niki qui perdu maman li. Et récemment, nous tap bay Niki love lan pour moi, nous tap bali des souhaits, nous tap encourager li. Et bien, dans un moment difficile ça, Niki besoin en pile énergie positive, nan men nou, parce que demain, c'est funérailles maman qui a chanté, c'est enterrement maman. Donc, m'a demandé nous, m'a invité nous pour nous voyer des ondes positives pour lui et des mots d'encouragement pour nous voyer et des énergies positives pour lui. Faire qu'on est que toute équipe là, toute équipe là avec lui, la jeune support chaque monde de manière inconditionnelle parce que nous connaît comment ça difficile pour nous perdre un monde qui proche nous, pour nous perdre un monde nous aimer, un monde qui sait et poto mitan nous bois des bananes, nous connaissons ça, nous connaissons ça. Donc il y a nous pas quitter moment passé,
dans le vide, dans l'oubli, et comme si ça pas t'intéressait. Non, en nouveau énergie positive pour Zamian, pour Sœur, pour ma tante, moi, et parce que dans le moment, famille li besoin ça. Et jodi an la, nous gen en pile bagay pour nous, ouais, dans l'éditorial là. Nous praler rapide, nous praler vite, nous praler bien. Définitivement, faut que moi di nou que moun sa yo nou gen comme autorité en dedans pays ya. Moun sa yo n'a prele chef. Moun sa yo ki ministre, premier ministre, ministre justice, ministre intérieur en dedans pays ya. Officiellement, nous mettons commencer chercher des stickers nous pour nous mettre dans le fond, pour nous mettre dans la machine, pour nous mettre la caille, coller sous petit, son paquet reste avec, son paquet toujours blanc. Yo ye. Ah oui. Action ça qui passe hier avec ancien sénateur Guy Philippe, côté que DCPJ débarqué. Yo arrêté, gen moun mwa ki pa vle dil, yo arrêté Guy Philippe, yo ala avec li nan DCPJ. Eh bien ça prouve que nous pas fait pays, nous ka fait tout bagay sauf pays. Gen deux courants d'idées qui a bataille là, gen deux groupes moun qui a troqué kon yo ate là. Nous connaît Guy Philippe comme chef rebelle en 2004. Qui te participé, qui te prend zam pour chavirer gouvernement Lavalas, pour chavirer président Lavalas, etc., qui te sous pouvoir là. Tout moun sa yo qui fait partie de structure Lavalas, partisan, sympathisan, militant, parti politique kap supporte, groupement politique kap supporte, etc., jounen jodi an la, yo bat bravo, yap siroté. Et hiver yo là, on comprend yo enjoy yo a palais parce que yo réjoui de ça qui passé avec Guy Philippe, yo réjoui de arrestation Guy Philippe par la DCPJ. Mais comme ça tout gagne l'autre courant d'idée, gagne l'autre groupe moun ki yo même yo motivé, yo mobilisé, faut que DCPJ remette yo Guy Philippe, faut Guy Philippe retourne libre à circuler en dedans pays sans que pa gen pièce moun ki vin inquiéter, pa gen pièce moun ki vin déranger. Moun grand dans sap tan li, moun kap ayisyen ap tan li, moun Jacmel ap tan li, c'est moun tout partout, gen pile moun nan diaspora à la grande surprise qui yo même tout yo a bat bravo, qui yo même tout yo tellement content. Libération Guy Philippe, yo tellement content retour Guy Philippe en Haïti. Yo dou Guy Philippe c'est moun ki pral vin aider changer bagay yo, ki pral vin aider chavirer système ki gen la. Moi même pa vin présenter Guy Philippe comme yon saint, comme yon innocent parce que Guy Philippe yon ensemble de bagay, li participer là dans le pays, gen yon ensemble de moun ki victime en dedans pays et dans époque 2003-2004. Yo rend Guy Philippe avec groupe rebelle yo responsable de situation. Mais ça pas t'empêcher que Guy Philippe li te aidé libérer pays de groupe Lavalas, de système Lavalas, de parti politique Lavalas, de ancien président Jean-Bertrand Aristide. Nous ka toujours contesté parce que Lavalas Aristide qui te vini prend coup d'état etc. yo bote li yo aller avec li qui est-ce qui t'est instigateur c'était États-Unis Canada la France c'est eux même qui t'est d'elle donc ça veut dire depuis bien longtemps question respecter mandat un président qui est élu hein li pas de fait vrai en Haïti li pas de fait parce que qui est-ce qui bénéficie qui est-ce dans moment n'a parlé à qui te bénéficie réellement de coup d'état Aristide de prendre de retirer Aristide du pouvoir est-ce que c'est paysan est-ce que c'est peuple haïtien l'on regarde de 2004 à 2023 journée aujourd'hui là Aristide prend coup d'état Guy Philippe participe dans chavirer pouvoir dans chavirer la valeur sous pouvoir pas gagné rien changer c'est seulement un mandat constitutionnel un président élu te gagné. Yo pas respecté constitution bafoué etc. moun continue mouri insécurité augmentée et calamité en dedans pays ya. Bref c'est pas la nouye. N'a pas rentré dans l'époque arrestation Guy Philippe là dans la nuit 15-16 mai 2016 gagné au caï
gagner commissariat qui prend d'assaut, direction départementale qui prend d'assaut, nèg exam débarqué, rentré dans commissariat, policier mouri, etc. Yo t'a pral mettre toute chaise ça sous Guy Philippe. Gagner un juge d'instruction qui lui-même dans mois août 2016 qui t'a pral laguer un mandat derrière Guy Philippe pour arrêter Guy Philippe. N'importe côté yo joindre. Mais pas oublier Guy Philippe t'es candidat au Sénat pour département Grand'Anse. Pas oublier gen ensemble de procédures ou doit suivre l'on pral pote te tout candidat aux élections. Gen ensemble de bagay que CEPA mando l'on pral inscrit comme candidat ou supposé bayo pour montrer que ou c'est un monde qui crédible ou pas participer dans crime ou pas participer dans aucun délit ou pas jamais jugé ou pas jamais condamné etc. Depuis hier, il y a un ensemble de formations qui a circulé, des séries de documents et juridiques, des séries de documents et qui ont même a circulé qui montrent que l'État ça son l'État coupion, la justice dans le pays d'Haïti son la justice complaisant, son paquet sous son paquet choule qui là, yo seulement là pour yo faire job yon groupe moun mais c'est pas faire respecter la loi, c'est pas faire respecter constitution etc etc. Là, on a regardé avec moi, gagné certificat greffe que le ministère de la Justice et de Sécurité publique te remet avec groupe moun qui yo même yo tab géré question procédure pour Guy Philippe en Haïti. M'a parlé nous de avocat qui en charge de dossier Guy Philippe en Haïti. Yo remet li le 29/6e mois 2023. Et certificat de greffe ça yo te mandé c'est pour yo te ka konnen est-ce que en dedans système judiciaire haïtien dans tribunal yo nan parquet yo est-ce que gagne des dossiers est-ce que gagne des plaintes est-ce que gagne des séries de bagages qui concernent Guy Philippe pour le ta retourner en Haïti pour le pas ta trouver dans situation difficile. N'a plié avec moi déjà m'a dit nous qui est-ce qui signe n'a regardé avec moi là commis parquet en chef Maître Jordani Zamor. C'est lui-même qui signe qui dit que greffe parquet pré-tribunal de première instance pour Port-au-Prince, li certifié, li attesté par présent certificat de greffe ça que après toute recherche, yo fait dans registre tribunal là, dans registre parquet a pas aucun mandat d'amener qui t'est décerné contre Guy Philippe qui identifié dans tel numéro de juillet 2022, jusqu'à un moment où tu as parlé. En foi de quoi, certificat yo bail, certificat de greffe, lan, li délivré pour servir et valoir ce que de droit. Ça, qui compte nous, nous n'avons pas de prince. Nous n'avons pas de prince, yo dit que dans le greffe tribunal, il n'y a aucun mandat, pas aucun mandat d'amener qui émet contre Guy Philippe. Cependant, gagné yon lot document. Dans lot document ça qui t'a pral montrer que gagné yon mandat d'amener qui t'a émet contre Guy Philippe dans l'année 2016 au CAI, eh bien mandat ça li pas c'est pas juridiction Port-au-Prince qui mette mandat d'amener derrière Guy Philippe, c'est plutôt juridiction sud, c'est dans au CAI. Donc là, c'est tout à fait normal que greffe tribunal Port-au-Prince dit pas qu'il y a aucun mandat qui mettait derrière Guy Philippe. Mais qu'on y a, étant donné que DCPJ lui-même, qui est censé là pour collaborer avec l'instance judiciaire, c'est pour ça que les directions et centrales police judiciaire, sous toute étendue du territoire, là, n'importe juridiction qui a mis DCPJ chez son monde. Mais qu'on y a, il y a l'autre considération nous qu'a fait. Si nous regardons chronologiquement différentes dates qui rentrent en question par rapport avec l'arrestation que DCPJ fait sous Guy Philippe dans le moment où nous parlons à l'âme, vous pouvez réaliser que Guy Philippe qui est allé dans l'élection comme sénateur de la République qui est élu pour représenter Grand'Anse dans l'élection 2016, yo, même Guy Philippe ça, pral gagner mandat d'elle.
Et ou bien trouver nos situations côté que sous réseau moun yo pas ka comprendre même moun sa yo même système judiciaire ça qui bail Guy Philippe casier judiciaire qui dit que Guy Philippe li pa gen rien pour louer avec crime li pa gen rien pour louer avec délit li pa gen rien pour louer avec aucun zak malhonnête etc. Moun yo pas comprendre comment faire même justice ça journée aujourd'hui là yo lagué mandat derrière Guy Philippe. Même système justice ça qui te dit Guy Philippe pas participer dans aucun crime en Haïti, c'est même yo même qui a arrêté Guy Philippe, qui remet Guy Philippe pour aller États-Unis avec pour aller juger Guy Philippe etc. Ça vient montrer que nous avons un système justice en dedans pays nous qui pas marché. Nous avons un système justice en dedans pays nous, c'est bagay choul, c'est bagay tis ami, c'est intérêt chaque monde a protégé. Dès pour représenter un menace pour nègre, nègre pas remet forme tête tout. Nègre c'est lui même qui chef dans pays, moi garanti y a toujours chercher une façon pour arriver sur. Est-ce que me dit Guy Philippe innocent? Est-ce que me dit Guy Philippe coupable de ça yo reproché là? C'est pas ça me dit. Qui ça me veut comprendre? Il y a un principe pénal qui dit que yo pas ka juger yon moun deux fois pour un même crime, pour un même fait. Donc, si yon pa ka juger yon moun deux fois pour un même fait incriminé, pour qui ça de CPJ, Kembe Guy Philippe nan moment n'a pas lié à la? Eh bien, nous connaissons Pierre Espérance, qui lui-même, gen moun ki rele le magi parce que l'a toute sauce. Eh bien, matin là, Pierre Espérance en bandition, pour une fois me récitant de Pierre Espérance qui parlait, qui pas comme si, qui pas parlait tête baissée, j'ai fermé pour l'anik, accusé, accusé, accusé. Matin, Pierre Espérance, t'es gagné un petit retenu. Mais ça pas empêché Pierre Espérance faire fly tout. Nous prenons le temps de ensemble, intervention Pierre Espérance, et après, Fay Pierre Espérance fè yo, pou pal répéter yo, pou pal di yo sou moun, nou pral corriger yo ensemble. Parce que pou moun ki ta vle bliye la, même l'autre de tout bagay, Guy Philippe rete un citoyen haïtien. Pa gen aucun moun, Ariel Henry kap conduit tête li kap mete kol ta kou mete pays etc. Li pa te ka empêche Guy Philippe retourner dans pays l. Parce que Guy Philippe son citoyen haïtien à part entière. Même Jacques tout citoyen, peu importe ça moun nan te fait, depuis le retour dans le pays, nous devons sécurité. Même les moun lage pays, nous lage peuple haïtien pour bandi fin touye. Nous devons tout peuple, nous devons tout pays en sécurité. Même bandi en peut-être pas lui. En tout cas, en nous tende intervention et Pierre Espérance. Oui. Et Guy Philippe qui était arrêté le mois janvier 2017, c'est lié avec la police judiciaire qui était arrêtée suite et à partir d'un mandat et qui était gagné depuis plusieurs années, qui ont juge dans Miami et mettait contre lui pour blanchiment l'argent sous territoire américain avec trafic drogue, il a transporté Guy Philippe, il allait avec lui aux États-Unis, et il est arrivé, il collaborait avec la justice et américaine, et côté que il reconnaît qu'il a blanchi l'argent sur le territoire américain, il reconnaît qu'il était dans drogue sur le territoire américain. Donc il vient condamné lui pour. Et pour passer plusieurs années, il finit plusieurs peine depuis environ, si je ne me trompe pas, 3 mois. Donc, il tourne dans le pays. Il n'y a pas d'empêcher de tourner dans le pays. Jamais. Parce que c'est pays. Cependant, et d'après ça, nous comprenons. Et nous songeons dans le mois, dans l'année 15 ou 16 et mai. 2016, il y a une attaque qui était faite sous prison civile au CAI avec une base de mode, direction de Gatmatal, et puis commissariat au CAI là.
et il y a un policier qui te prend et plusieurs balles, et la police judiciaire et fait un rapport, et dans le rapport ça, il te recommandé pour et la justice mette un mandat et contre Guy Philippe. C'est comme ça qu'on juge qui te mette un mandat et contre lui, et d'après ça, moi comprendre et le CPJ Kimberly, c'est à partir des mandats, et pour nous-mêmes, il n'y a pas de l'autre bagaille pour faire, c'est à transférer lui, et bien, et la justice au CAI. Donc la justice est au CAI, et va décider sous son lit. Mais j'en ai toujours dit, lui, il n'est pas capable de mettre la prison pour ça, condamné déjà aux États-Unis, et pour question de blanchiment d'argent avec drogue. Cependant, si il y a l'autre charge, il y a un contre-lui, c'est normal, il y a tout et poursuivi. On fait un petit campé là avec Pierre Espérance. Et Pierre Espérance, déjà, il fait un point parce qu'il connaît que il n'y a pas qu'à poursuivre un monde deux fois pour un même fait. Principe là, il est non bis indem, son principe latin. Mais bon là est extrêmement important parce que Pierre Espérance qui c'est défenseur droit moun qui dit yo a défendre droit moun yo a défendre et liberté respect etc. Bon là il dit peut-être qu'il pas peser ça le dire. En 2017 yo vinn arrêter Guy Philippe en Haïti alors que Guy Philippe ça son un sénateur élu lié, mais au moins il y a un ensemble de considérations. Première considération nous qu'a fait journée aujourd'hui hein, yo décider DCPJ décider poursuivre Guy Philippe sous base et en mandat 2016 2017 Guy Philippe sénateur de la République, il t'a pas préparé pour le prêter serment etc. Même Guy Philippe en 2016, alors que l'était sous sol haïtien, alors que l'était dans pays, il y a pas de jambes choisi faire exécuter mandat, il y a pas de jambes choisi arriver sous lit. Pour nèg yo maquillé, job yo a fait pour américain, job yo a fait pour États-Unis, etc. Pour yo humilier tout parce que c'est dans nature, les dominicains a humilié haïtien, les autres nations a humilié haïtien. C'est parce que vous regardez avant tout comment nous-mêmes la caille nous, de caille nous, comment l'autorité vous traite nous, comment vous traite les citoyens. Nous reconnaissons tout fait ça contre lui-même. En 2016, dossier saisi, cabinet d'instruction au caille saisi. Mais nous, en 2023, 7 ans après, ou par contre, nous n'avons jamais entendu aucune ordonnance sortie sous dossier ça, vous reprochez Guy Philippe là-dedans. Et puis, journée aujourd'hui, la dossier à licence et pendant, et c'est sous base même dossier ça. Autant de, yo arrêté Guy Philippe. C'est sous base même dossier ça, Guy Philippe ça qui n'a même des CPJ, yo sujet pour yo transférer dans ville au Kay pour la répondre de ça yo reproché là. Et c'est pas seulement Guy Philippe qui te gen mandat d'elle, et à l'époque, c'est 20 moun yo te la gen mandat d'amener de yo, gen te gen mandat de comparution, etc., etc. Mais là, attendez, Lydian, il y a non sous violation de Guy Philippe. On nous continue. Pour rappeler, pour ça, il a été jugé et Guy Philippe aux États-Unis, pour question de drogue avec blanchiment d'argent, son crime, et qui est lié, qui fait que, pour ça, au condamné là, il a tout perdu, et droit civil et politique. Bon, dans la langue française, là, oui. Et monde qui condamné pour une peine affective et infamante, ça veut dire que monde ça arrive il existait et comme monde mais au niveau politique ils sont cadavres, ça veut dire qu'ils perdent tout droit civil et politique ça petit parti ça il était vraiment indispensable pour me camper là et c'est là me veut venir parce que même moi même à un certain moment me t'ai dans le flou par rapport avec question est-ce que oui ou non Guy Philippe l'a perdu droit civil la politique li, parce que il était condamné aux États-Unis
et y a des peines afflictives et infamantes. Parce que dans la législation haïtienne, non? En Haïti, depuis yon condamné pour crime, yon condamné pour délit, etc. Peine ça, yon privé de liberté, etc. etc. Gen kèk droit automatiquement perdu. Ou pas qu'à l'élection, ou pas qu'à venir député, sénateur, magistrat pendant une quantité de temps. Mais, gen un aspect technique dans ça, Pierre-Espérance Sodian là, qui est extrêmement important. Et qui sa réalité en yé? Pas oublier que condamnation Guy Philippe, c'est États-Unis le fait. En Haïti, c'est une des raisons Guy Philippe. Nous n'aimons pas vraiment été focus sur le casier judiciaire, etc. Parce que en Haïti, le Guy Philippe, l'été à l'inscrit dans le CEP comme candidat, étant donné casier judiciaire, ils sont bagaillés. Ouais, le CPJ a tout pouvoir ça. Non, mais ils sont bagaillés pour vraiment restructurer, pour gérer. Casier judiciaire dans le pays, son bagay territorial lié, son bagay régional lié. Par exemple, c'est quelle institution? C'est quel côté bralé yo exige au casier judiciaire de CPJ en même? Cap haïtien, ou besoin de casier judiciaire, ou a besoin de casier judiciaire, ou pral dans le tribunal première instance, ou a besoin de casier judiciaire là, et yo après exige normalement paye yo bon casier judiciaire, l'isselé puis yo a 6 mois pour ka retourner vin fèl. Même je sa ka fait dans sud, même je sa ka fait dans sud-est, dans grandes, etc. Pas oublier, Guy Philippe, le tap pral nan élection, le tap pral représente département là, le te besoin casier judiciaire, c'est pas dans DCPJ Guy Philippe te vin fait casier judiciaire. C'est pas DCPJ qui te bay Guy Philippe casier judiciaire. Et en Haïti, pas yon te en connexion dans le système judiciaire là. Nèg lan li ka par exemple font un crime là dans département l'ouest. Tout commissariat, et un paquet Port-au-Prince a cherché et puis le débat qui est capable là son citoyen nouveau li pas gen moun qui connaît de li li quand même poser candidat dans élection qu'a fait pour dans cap haïtien dans l'autre département dans l'autre commune etc. parce que pas gon interconnexion de système judiciaire en Haïti, pas gon interconnexion tribunal yo, pas gon interconnexion entre commissariat etc. c'est sous petit bout de papier yo a pren note. C'est à la main à prendre note, pas de aucune bagaille technologique en dedans appareil judiciaire haïtien. Donc là, on a compris que sur casier judiciaire, là, ça, son débat lié qui pas kembe. Parce que au niveau de la DCPJ, on pas de rien contre Guy Philippe, dans le moment où t'as parlé dans la question élection. Même après le fin sénateur de la République, c'est à cause mandat yo te mette de Guy Philippe, etc., qui fait des CPJ vine saisir le dossier. Parce que, non seulement, si c'est pas pour dire, Guy Philippe t'a bouqué fait mandat là comme sénateur, t'a bouqué passer 6 ans dans le Parlement. Mais comme y a intérêt qui te en jeu, comme y a intérêt que nèg yo t'a cherché des fonds, etc., yo arrêté Guy Philippe. Et c'est là, nous allons comprendre. Même moun ka fait job, pour américain, même moun ka fait job pour blanc, arrive à un certain moment, même blanc ça l'a tourné contre. Même blanc ça l'a tourné contre parce que tout le monde connaît que Guy Philippe était participé avec États-Unis, etc., etc., dans question renverser Aristide. C'est même États-Unis qui viennent boter la lavelle ferme de l'autre côté. Vous comprenez? Donc, on nous continue. Qui semble nous comprendre? Est-ce que réellement, non, moment n'a parlé à la, Guy Philippe li perdu droit civil à politique li. Est-ce que Guy Philippe li pop ka et joui de droit politique li? Est-ce que Guy Philippe pop ka candidat dans le pays? Est-ce que Jean-Pierre Espérance dit son cadavre politique li est vrai? M'pral di non ba qui primordial. Non question droit pénal en Haïti, nous pas quand on fait balay yo comme si nan bouche dans bouche. Jouk nan moment n'a parlé à la Guy Philippe pas jamais condamné en Haïti. Si nan font casier judiciaire pour Guy Philippe en Haïti, est-ce qu'on pral mette la dedans Guy Philippe te condamné aux États-Unis alors que en Haïti ou pas gen aucun document officiel ou pas gen aucun transcription qui dit mais côté te condamné à ou mette le dans système judiciaire haïtien pour barrel sou pas faire ou pas ka sou aucun prétexte pour dire que nèg lan li pas éligible, li pas ka jou de droit civil à politique li en Haïti. Maintenant d'un point de vue technique, si qu'on y a, nèg yo yole, pou yo ta di que Guy Philippe te condamné États-Unis, li pa ka vini en Haïti,
li pa ka vini nan élection, li pa ka vini candidat. Parce que, so j'aime dire nan commencement émission, 15 décembre 2022, Guy Philippe li te publié yon ti note sou réseau, sou internet lan, ki te dit que li genye aspiration pour retourner nan politique en Haïti pour vin servir pays, pour vin servir département Grand-Est. Et j'ai l'impression que c'est depuis l'elle fin fait déclaration ça. Malédiction d'elle jusqu'à ce qu'elle rentre en Haïti pour déposer la patte sous lui. Parce que le ou la façon, grand pile négaté à qui peut dire Philippe. Et m'bral rive côté m'le rive avec nous. Parce que ça qui arrive au pas de connaître si parlement, quand pour cochoter trois fois parlement, t'es gagné en régné Guy Philippe. Ancien sénateur Joseph Lambert qui était président assemblée, il était gagné en régné Guy Philippe. M'bral dit non, parce que Guy Philippe te écrit, il te voye mandé sénat pour aider, aider ballon petit cop pour le payer avocat. Ou bral saisi tant de qui ça te répondre. Et bien qui ça crive? Maintenant si, même acteur ça yo, yo vle dit que Guy Philippe li pa kal l'élection, yo ap gen pou yo suivre aspect technique là. C'est écrit tribunal fédéral Miami qui te prononcé sentence Guy Philippe, qui te prononcé condamnation Guy Philippe, mandé ba nou transcription de jugement et suivant transcription jugement kounia, nous pral intégrer dans système haïtien pour nous dire suivant telle transcription, tel jugement qui t'est prononcé contre tel citoyen haïtien dans tel pays parce que il te reconnaît tel fait kounia moun sa, nous ka opposer là avec lui. Mais c'est pas dans bouche pour nous dire oh lui pas capable, il pas capable, il pas capable. Si kounia suivant ça yo reproché là pour question et attentat te fait dans commissariat au Kay yo arrêté yo jugé là kounia les carottes sont cuites pour Guy Philippe là nous clair. Est-ce que mettre vous en vous c'est pas forcé et au procès qui a été fait côté que Guy Philippe plaidé non coupable, c'est un arrangement qui a été fait côté que le reconnaître qu'il était là blanchiment l'argent sur le territoire américain, on peut reconnaître qu'il est un endroit, et c'est ça que fait, il était allé en peine, et peine qui pipitia. Et qui donc, pour nous-mêmes, dit Philippe Tourné là, l'État doué, et mandé population, et gardant ça, qui était voté, mandé l'esquisse parce qu'elle était trompée, parce que même supposé, c'est sûr qu'il est monté à voter, il n'y a pas de voter. Il n'y a pas de voter comme monde qui était dans blanchiment là, il n'y a pas de voter comme monde qui était dans le drogue, ouais. Et il est trompé, et qu'on vive aux États-Unis, il reconnaît qu'il était dans le drogue, il était dans blanchiment là. Mais après, ok, on nous quitte Pierre Espérance là, on nous continue à avancer nous-mêmes. Il y a un bail qui est extrêmement important. Parce que, il y a un peu de monde qui a posé question, qui par exemple, qui a compris comment fait un citoyen. Et c'est pas des moindres, yon sénateur de la République, yon arrêté, yon voyé, yon bon. Est-ce que nous avons dit extradé? Yon arrêté, yon ba États-Unis pour aller avec les États-Unis, pour aller mettre en prison, etc. Bon, on a une, si nous te connaissons Guy Philippe te nan drogue, nous te connaissons ta blanchi l'argent, et puis pas de jambes, yon aucun suivi que te fait jusqu'à ce que nous quittions le sénateur de la République, et bien, pays, ça va gen moun. Hein? Pays ça pas gagne autorité vrai. Pays ça pas gagne autorité. Ça veut dire on toujours comprendre que système justice haïtien depuis bagarre la arrangé yo pas ouais. Depuis bagarre la bon pour yo pas ouais. Donc comme blanc vient rentrer dans 5m50 yo mandé ba yo Guy Philippe yo ba Guy Philippe et puis ça s'arrête là. Mais à un certain moment faut que nous suspendre gè comportement soufflant tu sous et tu sous ça. Constitution pays d'Haïti c'est ça que fait moi-même. Constitution ça l'aime dit nous son constitution vraiment nèg ça même là yo t'a changé constitution même là yo t'a amendé constitution yo fait toute bagaille dans constitution ça son constitution qui pas jamais respecté en Haïti nèg yo pas paré pour respecter rien yo pas respecté ça maman loi pays en dit yo pas respecté ça code pénal dit yo pas respecté ça code d'instruction criminelle dit yo pas respecté aucune procédure nous gon constitution jou nan maman n'a parlé à la Diye vin yo pran Guy Philippe yo al avec li, nou pa konn sou ki baz. Nou pa konnen juridiquement parlant, bien légalement parlant, c'est sous qui convention.
Nous pas connaît sous qui convention, est-ce que c'est sous convention États-Unis t'essayant avec Haïti pour yo pour yo extrader tout le monde qui dans trafic stupéfiant, trafic drogue, etc. Nous pas connaît sous qui base. Parce que Guy Philippe dit que c'est kidnappé ou vin kidnappé lui aller avec lui. Parce que lui-même lui connaît son citoyen haïtien. Et constitution haïtienne dit ou pas rien doit déporter aucun ressortissant haïtien pour livrer le bail l'autre autorité l'autre pays comme condition comme procédure pour te extrader Guy Philippe là il pas respecté parce que si nous dit qu'on ensemble de faire nous reprocher Guy Philippe en Haïti nous pas qu'à extrader d'autant que tout ça nous reprocher lui en Haïti li pa répondre de yo même nous dit le participer dans craser et dans bail dans prend commissariat d'assaut policier mourir etc. Nous pas juger en Haïti li pas condamné en Haïti et puis en 2017 nous reprocher ça en 2016 en 2017 Diye vin chercher sénateur de la République là nous en li prend nous bail li donc là nous violer constitution nous violer accord qui était signé entre Haïti et République Dominicaine là Jean-Guy Philippe disait kidnapper ou kidnapper là soit kidnapping soit kidnapping Jean dit c'est vini dit vini ou vin kidnapper là parce que nous gon convention Haïti gon convention avec États-Unis nous signons convention avec yo sous extradition sous moun qui fait trafic stupéfiant qui fait trafic drogue. Nous pas même respecter procédure là parce que pour yon fèl faut commissaire du gouvernement intervenu là-dedans faut gagner en dedans même paquet Port-au-Prince moun qui gen pouwè avec question question extradition qui intervenu faut ministère de la justice intervenu pour passer l'ordre. Yo youn pas respecter procédure youn étape ça pas respecter yo ni prend Guy Philippe yo marel de bras derrière dos botel foukel metel non avion à laguer l'États-Unis à laguer non prison américaine. C'est ma première fois gien ancien et quoi monsieur ça était ancien en président sénat oui li fourel céleste en bas comme ça le terre c'est même Jean oui dit était venu là yo botel yo al avec lui dit arrêté ancien sénateur ancien président sénat yo al avec lui États-Unis pour question drogue. C'est pas la première fois. Mais malheureusement, nèg yo yo ouvri porte pour États-Unis faire ça yo vle la kali violer loi ou pas qu'à États-Unis non pour violer loi. Ou pas qu'à États-Unis pour dire ou pral outrepasser ça yo gagne comme principe. Non mais en Haïti son savon yo fait ça yo vle gens hôpitaux. En nous avancer en nous continuer pour qu'à comprendre que Guy Philippe journée aujourd'hui en qui trouve une situation difficile, qui trouve une inquiétude, qui trouve une flou. C'est juste parce que nèg yo pa vle Guy Philippe rentrer dans politique en Haïti encore point boule. Parce que si yo te gon bagay justice pou yo te régler à Guy Philippe depuis en 2016 je t'ap réglé. Yo pa t'ap getan ki te di yé vinn pral yo t'ap réglé parce que yo connaît pays yo t'ap fait. Mais là en plus quoi yo a fait Guy Philippe paye intention pour retourner sur scène politique là. Yo a vinn barrer li et puis ça s'arrête là. Moi même j'ai des reproches que me fait à Guy Philippe par rapport avec moun ki mouri etc. de dans pays des séries de familles qui pote plainte contre lui même etc. etc. qui reproche le comportement de gagner ça s'arrête là mais est-ce que on ka accepter croiser bras ou camper à violer ou garder à violer droit un citoyen haïtien si on viole droit lui même et moi même bi devant yo ka fè bi mal et bien faut moi di nous gagner sénat république là. Quand l'opot ko même chante trois fois, gagne et comment relè a? Beaucoup nya si ancien maître. Faut moi dit nous ça si m'pa konnen nous té ouais ancien sénateur Joseph Lambert li tap soutenu mémoire li, mémoire de fin d'étude li en droit. Rectorat université l'état a dit que yo pa reconnaître li comme yo pa reconnaître li comme juriste. Yo pa reconnaître sénateur donc son ancien juriste. Son nouveau ancien juriste. Haïti a son savon, mes amis. On nous continue. On nous parle de sérieux. Eh bien, mes amis, faut que moi dis nous, en dedans parlement haïtien, précisément dans le Sénat République, yon pas de jamb considéré Guy Philippe comme sénateur de la République.
Gen moun ki parle de Guy Philippe, gen l'autre sénateur qui parle, qui respecte le fait que t'es un moun qui t'a à l'élection, candidat qui t'es 20, qui t'es 20 et vainqueur, un moun qui t'a à participer dans l'élection, qui t'es gagné l'élection. Yo bal respect a. Mais en dedans sénat république là, gen un règlement interne. M'bral li pou nou qui fait qu'on est que article 9 10 10.1 à 11 règlement intérieur sénat république pays d'Haïtien yo fait qu'on est que d'autant sénateur là li pas passé épreuve validation pour vol y a prestation serment li pas sénateur de la république yo seulement considéré comme un vainqueur proclamé dans l'élection qui t'est faite, mais elle pas gain rien pour wè avec statut de sénateur de la République. Donc ça veut dire nous même qui relé Guy Philippe sénateur et comprendre son usurpation de titre nous fait. C'est ça sénateur dit là, oui, c'est ça règlement interne sénat dit là, oui. Dans moment yo t'ai arrêté sénateur Guy Philippe, là dans moment yo t'ai arrêté Guy Philippe, là pas considéré comme sénateur parce que il pas de co-valider pouvoir, il pas de co-prêter serment. Donc ça c'est règlement interne. Mais qu'on y a un autre aspect. Tout ça qui fait, il fait pour une raison. Et Guy Philippe littéralement dé et monsieur Damien dans Sénat République là pour yo aider. Pour yo aider parce que il était besoin pour le payer frais d'avocat, il était besoin cob, situation était difficile pour lui, il était besoin cob. Eh bien, qu'est-ce que nous connait passé? Le lien écrit à l'époque, Joseph Lambert qui était sénateur, qui était président et sénat, eh bien Joseph Lambert était obligé pas faire suite, yo pas faire suivi parce que Joseph Lambert dit que sénat pas qu'à prendre contact avec un monde qui pas gagné pour avec le sénat République pays d'Haïti. Yo pas qu'à aider le faire le jeune cop parce que il pas sénateur et yo était obligé râler pour yo frapper dans figure Guy Philippe à l'époque. Règlement interne sénat qui dit que tant donné le pas de prêter serment et tant donné le pas de gain valider pouvoir yo pas ka fait et y a pour. Donc le pou nèg yo est-ce que nous on a ka Guy Philippe là parce que on connaît papa pa pousser colle pas oublier qui est-ce qui vient arrêter Guy Philippe c'est États-Unis c'est dit mettez sous l'ici papa gain petit contravention regardez comment États-Unis sanctionné papa. Li pa ka faire fuite en avant, li pa ka pousser à délanté. Donc li obligé rete dans 5m50 li, rete campé sous position à l'époque et si nous suivons bien. Le Joseph Lambert, li ta pral confirmer arrestation Guy Philippe là. Li seulement confirmer arrestation, oui, sans commentaire non. Sans aucune position du Sénat de la République pour dire son arrestation qui illégale, qui arbitraire parce que depuis au moment côté que Guy Philippe était élu, CEP a été reconnaître qu'il gagne l'élection. Depuis le sal commencé juillet, il était gagné comme sénateur de la République. Mais il n'y a pas fait toller, il n'y a pas fait couvrir ça parce que il y a tout le monde qui a fait un peu pour blanc par une beauté. Et c'est là, Lambert n'a pas trouvé quoi. Blanc, c'est utilisé, l'utilise. Après ça, le jeté. Regarde comment il a voué Lambert dans le coin. Gade comment yo prend Lambert yo voyel nan coin là yo pas besoin encore. Gade comment yo vini yo arrêté Guy Philippe en Haïti en 2017. Après Guy Philippe li bataille, li prend zam, li campé le goumen en 2004 pour charrier Aristide. Kon États-Unis kon nan zam, c'est utilisé et puis voye jeter son bagage comme ça li. Et bien nous même qui ça nous comprendre. DCPJ participer dans violer droit ancien sénateur Guy Philippe. Il est tellement vrai que yo participer dans violer droit ancien sénateur. M'pral fè nou tande déclaration. Youn avocat Guy Philippe parce que constitution pays an ba nou droit pour nous gagner un avocat qui représente nous. Si nous prenons dans le tribunal, nous ka accompagner de avocat. Si nous pas ka présenter, nous ka voyer avocat nous représenter pour nous. Qui doit DCPJ gagner? Quand DCPJ joue un pouvoir ça,
pour tout pral tande yon moun avocat la avocat mande pour l'accompagner li mande pour avocat accompagner pour nous dire avocat non pas accompagner ça nous viole petit principe qui fait nous accepter que vagabond en Haïti mette avec étranger vinn touyer président nous dans pays nous sans que nous pas dire rien. Nous pas fait pays, nous pas fait pays. Nous toujours aimer dire l'anglais sur ça. N'a fait pays. Nous pas fait pays, dit moun nous pas fait pays. Si son côté, moun nan ka di le pral vivre côté que principe respecté ou bay moun valeur pour le faire ça l'affaire. Parce que nous pas ka continuer font pays comme ça. En nous tande avec moi, déclaration ou bien intervention youn nan avocat qui représente et qui Filippo pour nous wè jusqu'à bon l'état décide aller avec dossier capable dit client là lui-même il a pour retourner la cali ou du moins et qui ça parce que n'a toujours dit encore la défaite du droit est provisoire même si que ou est agent de CPJ nous montrer nous ça que montrer nous la journée là nous même nous était confiants que sénateur là a besoin de libération aujourd'hui pour rentrer la cali pure et simplement. Qui problème qui Non, pas capable de l'arrestation. Au contraire, qu'on a dit que c'est violation de droit sénateur et violation de droit, pas comme avocat qui supposé exercer profession par rapport avec des 79 qui dit avocat supposé exercer profession libre et libre. Non, mais aucune explication de la part de CPJ. Pas oublier que lorsque vous ouvrez le CPJ, que vous mettez 20 policiers à verser dans le champ, nous, c'est vrai, nous saluons, mais pour nous parler avec nous, pas capable. Et les policiers ont dit c'est leur recevoir et tenter pour nous donner un responsable au niveau des CPJ pour nous cacher le marron. Vous comprenez le marron? Bon, bon, c'est que donc ça veut dire. Révolution pour qui ça? Oh, pour veiller sénateur à ce que l'avocat pas supplanté en tant que avec. Une chose est sûre, que nous autres avocats, quelle que soit l'heure, nous-mêmes, nous avons toujours été très vigilants. Donc, on va concerter nous entre nous, d'accord, pour nous dire pour nous prendre tel avantage que tu dois. Qui est ce qui avec Sébastien qui vient de là? Et notre petit partisan qui vient de là, était vigilant, était mobilisé, était vigilant, parce que à n'importe moment, sénateur a sorti. Parce que, il n'y a pas qu'à Québec sénateur, il n'y a pas aucune provision légale pour être à Québec sénateur. Ben, c'est entré dans le pays, il n'y a pas déporté sénateur. Comme nous, nous rapatrier sénateur. Rapatrier sénateur à l'État-Unis, ni passeport, ni une feuille de poulet entrer dans le pays. Étant donné que, il y a un responsable de CPJ qui dit que c'est des questions administratives qu'il a posé le sénateur. Mais, il n'y a pas qu'à poser une question, et puis sans que, il n'y a pas assisté de l'avocat. Donc, c'est pourquoi nous autres, nous disons que nous allons concerter entre nous pour nous prêter l'avantage que nous devons. Mais pendant ce temps, nous avons été mobilisés jusqu'à la victoire finale. Mais nous devons concerter, mais pas la loi dit que nous devons poser non, mais bon, tout le avocat, c'est un professionnel qui suppose bien ça a une capacité d'improvisation. C'est que tant que les CPJ pour prendre une décision qu'il faut pour dire que la libérer ou la faire, nous avocats ne pouvons pas anticiper pour nous dire que nous allons le faire. C'est pendant que et telle action posée et d'avoir telle réponse au niveau de procédure possible. Mais on va se poser déjà, je ne veux pas quitter nous. Non, moi dis bien, c'est au moment où on va se poser. OK, n'a pas une réponse qui est encore que relative. Comment nous état central mettre là? Bon, normalement que sénateur là à présent que nous garder et puis nous saluer. Apparemment, nous pas dire plein comme parce que il parle avec nous. Alors saluer nous parle pas avec nous. Mais nous pas rapidement dire qu'il est en pleine forme tout parce que nous avocats pas médecins. Vous voyez, c'est que le sénateur il est souriant mais pas joué des privilèges qu'elle gagne pour t'a parlé avec nous, pour t'a expliqué nous, pour t'a traversé lui-même. Et ça a dénoncé également une fois que responsable de CPJ, il faut des comptes et accompagner tout le monde qui est responsable de CPJ, ça sont violations des droits humains liés, parce que la constitution haïtienne, non, au niveau de 25 ans, on ne peut pas dire qu'on a fait mon avis pour une question au niveau administratif, sans qu'il y ait un vocal pas accompagné. Bien, nous tendons tout bagay. De CPJ a violé droit moun. De CPJ gen autorisation pour violer droit moun. Qui est-ce qui bat l'autorisation? Puis gamin justice, non mon Dieu papa.
Parce que c'est eux-mêmes, oh, c'est eux-mêmes qui gèrent les questions pour les judiciaires en Haïti. C'est eux qui gèrent la justice en Haïti. Et moi, franchement, je suis dans le flou, je suis dans l'erreur avec la question de justice en Haïti. Ben, ça me presque pas parler de lui. Parce que moi, c'est impunité qu'a fait. Parce que moi, en Haïti, c'est violation de la monde qu'a fait. Moi, en Haïti, c'est irrespect total principe qu'a fait. Donc, par rapport à la situation, ça, c'est extrêmement important pour avocat yo continuer à mobiliser. Pour yon al cherche protecteur de la moun nan. Ah oui! Ah oui! Là, c'est pour yon faire OPC intervenu directement dans le dossier. Renan Edouville supposé intervenu le plus rapidement possible parce que c'est lui même qui protecteur de la moun. Elle est protecteur de la haïtien. Si pas intervenu, qui ça pral fait? Qui ça pral dit? En tout cas, nous là, nous suivons l'évolution qui gagne dans le dossier Guy Philippe Lan. Parce que son dossier, ou doit être informé sous lui, ou doit être pour qu'on ait tout petit détail qui a dominé l'actualité, hein, et là dans lui. Et nous allons passer sous canal là, dans la rivière Massacre. Et bon, hier, mes amis, ça va passer la caille voisine comme ça, hein. A pas Abinadel, a pas Negovo et Saint, yo voye Alta Gracia. Vous connaissez ce patron dominicain. Yo voye vin mette bay, yo vin mette érigé statue en face canal là. Yo peur. Parce que dans dernier jour ça yo dominicain mouri en pile l'autre bois, m'pa cacher di nou ça. M'a regardé un accident qui fait récemment là, yon camion ciment qui boté un petit bus qui gen 60 moun la dedans. Hier yo te gen sou 11 moun. Bus crase, crabine, fait farine net, oui. Accident chaque jour. Chaque jour, accident. Bandi a batake moun. Ah, on se dit bandi, oui, tigele a batake moun en République Dominicaine. Ran les âmes touye moun. Bah, la vraiment préoccupé. Chaque jour. Chaque jour. C'est verbe kap trase sou canal. Canal la. Yo vini, se ti expédition kap fait. Yo vini se ti lo kap jete, se ti divin kap jete. Dominique yo gen rezon pou yo pe. Mais gen magistrat da bon nan te fond de respect, tout te di ke oh, yo li wè haïtien yo, oh nou pran plezi nan fe bagay ki mal, bagay mistik, trase verve, fe makak, etc. Oh, le diable la descend la wè ki sa nan fe. Et bien bon, ou nye ya, yo pe. Yo di nou gen diable. Yo di nan fè grimas, mais kounye a oblige vin avec pa yo pou vin affronte nou. Gon ti zan ki di m, nou pral medsen pou yo tou. Gon zan ki di m, nan jou kap ge pou vin la yo pral installe sen tou mette en face yo. Eh bien, nap tro ge kon nou. Dossier politique en République Dominicaine ki gen si dans sou Haïti, eh bien, bagay yo pa kampe la. Dominicain yon pa décidé bay vague, yon pa décidé bay legen. Et bien hier gagné Roberto Alvarez qui lui-même c'est ministre affaires étrangères dominicain qui t'a répondre question dans chambre député dominicaine là. Et bien pas caché dit nous compatriotes haïtiens yo. Et moun yo vraiment prend plaisir dans chercher déstabiliser Haïti, déstabiliser haïtien et surtout déstabiliser tête ensemble ça qui a fait sous canal là. Qui ça Roberto Alvarez déclaré? Ministre affaires étrangères dominicain, il déclaré que depuis en 2021, depuis mai 2021, le sous administration Jovenel Moïse, oui, le l'état haïtien, le gouvernement a décidé pour mander un chute à parler avec et avec délégation République Dominicaine sous question et rivière Massacre. Eh bien, deux pays qui te gen représentant yo qui te vin chita pour yo dialoguer pour yo konnen est-ce que yo ka construit canal sous rivière Massacre. Ministre affaires étrangères la campé li fait konnen que en mai 2021 Haïti pas jam gen autorisation, yo pas jam di que tout bagay correct, tout bagay possible yo ka construit canal là. Yo koken yo met dam. Alors que nous gen document, c'est pas ça document dit. Document yo te voye bay gouvernement haïtien te dit que
Yon construction canal sous rivière Massaclan, li pa préjudicier ni République Dominicaine, li pa fait aucun dégât en République Dominicaine parce que et tout bagay, tout donné technique yo, tout bagay respecté, etc. Mais je ne j'ai dit un discours a changé. Mais pi go de respecte, pi go fréquencité que Roberto Alvarez fait, li fait konnen que li wè haïtien pran mouvement canal lan, yo kreye un mouvement avec rivière massacre. Kote ke nou vin montre yon nationalisme avec canal lan. Comme si la rivière massacre yo rassemblé haïtien tout côté qui fait solidarité, qui a montré que canal lan son canal qui rassemble lié, qui a montré un nationalisme haïtien. Mais pas oublier dans mouvement ça gen gang là dans tout. Moi même ta remè pour République Dominicaine identifier moun ni rele gang qui prend mouvement canal là en charge dans moment n'a parlé à là. C'est ça Roberto Alvarez dit. Et c'est là nous qui t'est passé comme ça. C'est là nous qui t'est passé inconduite ça yo nèg conduit ça yo nous qui t'est ordiné pour le bagaille qui vinn gen grave répercussion sur nous sur scène internationale là. Li Campbell dit que mouvement canal là crée un sentiment d'appartenance au nationalisme haïtien parce que là nous tout vinn mettre tête ensemble nous tout solidariser nous mais c'est pas seulement ça le créer mouvement canal là rassembler haïtien tout côté mais rassembler gang tout cap supporter moi même dans dossier ça nous connaît déjà position par rapport avec République Dominicaine pas de camper faut nous faire payer fréquent tout mais si nous te gen pays si nous te gen l'état si nous te gen dirigeant faut chaque dénonciation et pas chaque dénonciation disons chaque déclaration malhonnête chaque déclaration qui ka mené Haïti dans trou que dominicain yo fait dirigeant république dominicaine yo fait yo te supposé mandé yo compte nous te supposé a faire Roberto Alvarez marcher là oui avec papier pour lui dire qui est-ce qui gang nan. Pour lui dire est-ce que c'est comité canal là est-ce que c'est boss yo est-ce que c'est moun est-ce que c'est technicien yo est-ce que c'est journaliste yo est-ce que c'est besap yo qui est-ce qui gang nan s'il vous plaît Roberto Alvarez Dominique pas décidé bay vague et li ale plus loin pour dire que aucun dialogue pas possible frontière yo a prêté Jean lié a seule façon pour yo dialoguer avec haïtien c'est camper canal là c'est ça yo dit et yo clair sous position yo et moi-même m'a prend liberté ça pour me répondre yo comme canal là pas camper eh bien yo met kembe dialogue yo pour yo nous pas demander au dialogue nous pas demander au dialogue nous pas wè sin yo nous pas wè problème la kay yo nous pas wè menace yo fait pas intimidation c'est canal n'a fouillé nous pas wè frontière yo tout c'est canal n'a construit c'est canal nous n'a préparé allez Abinader la tout gouvernement là allez là voum c'est pays nous même nous voulons faire c'est exemple ça n'a tracé dans wana maintenant nord des pays donc bon faire regarder comment ça t'est puisque hier jeudi gagne une délégation gen Ramsa qui débarqué délégation machan yo madame Sara yo nous connaît madame Sara yo c'est yo même qui la vie ah oui moi même grand moi madame Sara l'était pour faire éducation maman c'est avec bout de sac li sous tête machine ni pendier on pas comprendre les mesdames yo pendier sous tête camion ah bon mesdames yo madame Sara yo c'est moteur économie pays hein on dit nous ça on nous garder qui Jean bien santé hier nan canal là pendant que mesdames yo fait route direction tête droite canal rivière massacre on nous garder reportage là dans l'idée pour supporter travail construction canal irrigation cap construit sous la rivière massacre rassemblement madame Sara d'Haïti Ramsa visité journée jeudi 30 novembre 2023 travail construction canal massacre membre rassemblement qui était sorti tout partout dans 14 communes département nord-est là à quelques membres au niveau capitale pays en Port-au-Prince dans une ambiance sans pareil yo t'ai marché dans plusieurs rues au niveau centre-ville commune Wanamet avant que t'ai prendre direction canal là dans
l'occasion, présidente en rassemblement, madame Sarah d'Haïtia, madame Justine Jean-Louis déclaré dans micro TAC 509, présence en Ramsa dans le canal là, c'est dans objectif pour venir dire, yo koré ça qu'a fait là, li dit nous pas capable quitter vote nous dans main étranger, c'était occasion pour te distribuer kit alimentaire local qui gagne la dedans manger pays, bay agent Bisapio avec enveloppe ak boss cap travail dans canal là et puis j'étais yon jeb flè dans rivière massacre là dans mémoire 7 yo ak victime massacre coup de couteau 1937 là. Présence dans canal là matin qui dit moi corré production nationale là qui dit KPK canal là pas campé. Moi campé ensemble avec 14 communes dans département nord-est, nous gagne présidente et Ramsa pour département nord-est. Et nous avons une ancienne présidente là, qui c'est madame Blanc-Jésus-là qui a un travail super de concert à Whitville et notre 14 communions qui a fait dans l'encadrement de madame Sarah Moun qui puisse négliger. Madame Sarah a avancé aujourd'hui hein, pour yo dire yo corré ça qu'a fait le canal là. Nous pas quitter votre nous sous côte voisin. Journée aujourd'hui à nous mettre tête ensemble pour nous planter pour nous bailler voisin en réponse. C'est ça fait nous venir avec produit là caille nous pour nous bailler sous canal là. Et nous porter fleur ça comme ça tout comme en mémoire de cette pluie qui était tombée 3 au 6 octobre 1937. Nous porter la gueule dans canal là dans mémoire. Qui ça nous parle de ce studio de canal exactement? Nous parlons de kit alimentaire qui vient du pays, trois pays, Maïmoulé pays, et la ville. Et la trois pays. Qui côté nous jouer? Qui côté nous jouer? C'est dans la commune Wanamet, c'est 14 communes. Qui côté au fini, nous cotiser et puis nous faire ça qu'a fait. Ça qu'a fait là, nous pas être l'État. C'était occasion pour plusieurs femmes qui étaient dans marche si là tant que porte-parole comité canal massacre madame Oudine Pierre avec plusieurs autres femmes engagées au même qui c'est membre Ramsa et au voyant en pile parole piment beau quand critiquer comportement président dominicain Luis Abinadel pendant au fait qu'on est canal la pape campé. Depuis chantier construction canal irrigation sous la rivière Massacre, commune Wanamet, département nord-est, pays d'Haïti, Cheno Rosny pour TAC 509. Et voilà. Et monsieur dame, Kembela, Kemberred, continuez à encourager et canal là, c'est pas seulement canal ça, gen KPR nan malfeti et gen l'autre département, l'autre commune k'ap fouye canal, k'ap pèse canal, n'ap encourager yo, n'ap pote kole parce que faut nou rive fè manje, faut nou rive bay République Dominicaine en réponse, faut nou rive menen bak peyi an bien. L'état pa pran responsabilité, l'état pa vle assumer responsabilité, dirijan nou yo, autorité nou yo, c'est gang y'ap financer, c'est gang y'ap bay jaret, et bien nous même comme haïtien conséquent, comme haïtien responsable, n'ap engagé nou nan bataille pour yon l'autre Haïti. Et cela m'a mette en bout dans l'émission pour jodi an. C'est un grand plaisir pour m'être avec vous, pour me partager information ça avec vous. Restez connecté à channel là, rendez-vous en casse dans une autre vidéo d'information. M'a rappelé nous des micro présentation, c'est toujours même Yannick Lan, même voix, rien pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt.